qui nous avez obligé d'être ici aujourd'hui. Je ne suis pas certain que c'était le désir de chacun de nous d'être aujourd'hui ici. C'est pour vous accompagner et c'est aussi pour reconnaître la grâce de Dieu dans ce couple que nous sommes ici aujourd'hui, tout ce monde. Oui, nous vous en donner. Alors, je dois d'abord, avant toute chose, pouvoir recueillir vos propos. J'aimerais savoir si peut-être vous êtes marié par contrainte, ou vous êtes marié par circonstance, vous êtes marié par amour. Toutefois, il est vraiment très important de pouvoir recueillir votre point de vue. Parce que je n'aimerais pas que demain les gens disent, tu sais, c'est le prophète qui avait contraint. Ou ce sont les parents qui ont contraint. Je ne suis pas certain. Avant de pouvoir prononcer la bénédiction ou passer au port dans l'eau, j'aimerais quand même, avec l'aide du Saint-Esprit, vous poser certaines questions. Et sur l'honneur, je vous demande de vous asseoir aussi. Merci d'être là. Alors, le frère Roméo Coma, j'aimerais savoir si le choix que vous avez porté sur la sœur Lévela est une pression qui vient d'une tierce personne, ou d'une circonstance, ou c'est une question d'amour. Il y a des gens qui se marient pour des raisons professionnelles. D'autres parce qu'ils veulent voyager, d'autres parce qu'ils veulent ainsi de suite beaucoup de choses, nous connaissons, ceux qui sont dans la fonction publique connaissent cela. J'aimerais savoir, quelle est votre motivation pour se marier avec la sœur Mirella? C'est l'amour? C'est vraiment l'amour. Votre mariage n'est pas pour deux ou trois jours. Donc votre mariage est pas pour l'éternité. Donc toute votre vie sur terre, on n'enregistrera plus une autre demande. Vous nous rassurez que la sœur Mirella va faire le chemin ensemble toute votre vie. Tinasuka. Si c'est ça, tu dis oui. Mais vont passer, les parents sont là. Les amis et connaissances sont là. Alors ce n'est pas un problème du prophète, ok? C'est juste le goût. Dieu a convoqué mon cœur même avant que je commence à prier. Ça fait beaucoup d'années aujourd'hui qu'il m'a convoqué que j'avais cette femme à mes côtés. On a vécu des choses, mais Dieu m'a toujours conforté, il m'a toujours assuré que celle-là est la chair de ma chair. Elle est là à mes côtés. Amen. La plus belle femme du monde, c'est la sœur Mirella. Amen. Oui, il y a beaucoup de femmes. Il a fait son choix. Il y avait toutes ces passes-là. Mais le choix porté sur donc la plus belle femme, d'après mon frère, c'est sa femme. Que Dieu bénisse. Donc je vais bénir ce couple avec toute la joie possible. Ça, c'est vous. Maintenant, la sœur Mirella, est-ce que vous dites la même chose?
La sœur est là. Est-ce que c'est par circonstance? Parce que les autres disent, mais je me suis déjà marié. Bon, tu dis, bah, moi aussi je suis obligé de chercher quelqu'un pour que je sois honoré. On dit que je me suis marié aussi. Est-ce que c'est pour un temps, est-ce que c'est une circonstance ou c'est parce que vous l'aimez? Allez, Jose. C'est le Seigneur qui m'a convaincu parce que leur amené du Gabon jusqu'ici, il savait qu'il était là. Là-bas. Au Gabon, il n'a pas trouvé un homme plus beau que ça. Il n'avait pas au Gabon. Alors, vous pouvez nous assurer que le plus beau homme, le plus bel homme de votre vie, hein, c'est celui qui est à côté de vous. Vous le dites avec le cœur. Le plus bel homme, c'est mon Roméo d'amour. Garantie que jusqu'au retour de Christ, donc il n'y aura pas de trouble dans le foyer. Est-ce que je suis, c'est ça? Devant Dieu, devant le Saint-Esprit, et nous, papa, amen. Il n'y aura jamais de trouble. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Alors, comme moi, nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention à cette question et réponse. Nous sommes très rassurés qu'ils s'aiment. Ce n'est pas une contrainte qui les a menés à se marier. Ce n'est pas une pression, ce n'est pas une personne qui les a poussés. Mais c'est Dieu qui les a convaincus. Et tout ce qui vient de Dieu est durable. Amen. C'est pourquoi nous allons prier pour ce couple. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous aurez des problèmes avec Dieu. Oui. Ok. Ce que Dieu veut, il le fait. Dans le ciel. Sur la terre. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils seraient ennemis de Dieu. C'est pourquoi nous allons, par la grâce de Dieu, alors, procéder au port d'amour avant de pouvoir prononcer la bénédiction. Mon frère, vous avez dit que vous l'aimez. Lorsqu'on aime, ce que Dieu a dit dans sa parole, les deux deviennent une seule chair. C'est en faisant l'alliance qu'on devient une seule chair. Voyez-vous, Jésus, que notre Seigneur, il a pris le pain, ce n'était pas sa chair. Il a pris le pain, il a béni en disant, mangez-en tous, car ceci est ma chair. Il a pris le vin de raisin, il a rendu grâce en disant, buvons-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Il y a plusieurs manières de faire les alliances. Le port de l'anneau signifie le scellement d'une alliance. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer aussi, par la grâce de Dieu, que votre parole doit être jointe à l'acte par le scellement de l'alliance? Choisissez l'anneau qui convient à votre. Français ou pas, le mariage n'était pas honoré en français. Ce qui est important, ce n'est pas le français, c'est ce que Dieu fait. Est-ce que Dieu est français? Non. Il est congolais? Non. Il est tégué? Non. Il est congo? Non. Il est bébé? Non. Ah, Dieu n'est pas français. Parlez comme vous voulez. Je vais te répéter. Nous sommes en enfer. Il
qui est dans nos âmes. En faisant porter l'anneau. Sœur Mirella, anneau et où? La nuit sabbat. Tu vas chier Nangaï. Chier Nangaï. Notre frère a prouvé la bravoure devant tout ce monde. T'avais aussi beaucoup de sœurs qui voulaient se marier. Il dit, moi c'est Mirella. Il a éprouvé. Maintenant vous aussi à votre tour. Démontrez-nous la même chose. Le mari doit être honoré de tous. Micro. Zosa. Oh, Roméo d'amour, mon Dieu, devant le Saint-Esprit, je te mets cet anneau, je te l'apporte en signe d'amour, devant les 16 anges, devant Dieu, vers qui nous nous retrouverons toutefois que nous aurons besoin, je te porte cet anneau en signe d'amour jusqu'au retour de Christ. Qu'est-ce qui confirme que c'est elle? Elle est encore voilée? Attendez. Si ce n'est pas elle, ça devient trop tard. Bon, alors démontrez-nous que c'est la sœur Mirella. C'est moi, c'est elle. Ce couple dans le nom de Jésus, parce que tout est déjà clair. Ce n'est pas une autre femme, c'est bien la sœur Mirella. Vous la connaissez, nous la connaissons tous ici. C'est bien la sœur Mirella. Ce n'est pas une autre femme. Alors, je suis très volontiers à bénir ce couple par la grâce de Dieu. Alors, mon frère Roméo, ce qui est là, elle doit se mettre à genoux. Et vous aussi, vous mettez à genoux. Soutenez-la, mettez-la à genoux. Nous allons vous bénir par la grâce de Dieu. La Bible dit ce que nous vivons sur terre et dans le ciel, ce que nous bénions et dans le ciel. Je ne suis pas seul. Je dois aussi inviter mon épouse, mon cœur que j'aime, toute ma vie, ma belle aussi, hein. Ben oui, ma jolie aussi. Je vous attends, maman, s'il vous plaît. Attends, les nuits déjà, les années, moi. Nous allons prier. Dieu a dit, portez les regards. Il n'a pas dit ce mot sur la bras.
porter les regards sur Abraham et sur Sarah. Il dit bien, lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Pour ceux qui veulent lire, c'est dans Ésaïe, chapitre 51, verset 2. Il portait les regards sur Abraham et sur Sarah, lui seul. Lorsqu'on se marie, on devient une seule chair devant Dieu. Nous allons, par la grâce de Dieu, prier pour ce couple, consacrer ce couple, que la même grâce divine qui est répandue sur notre vie soit répandue sur ce couple. Que le Dieu qui nous protège vous protège, soit votre bouclier, et lui qui vous appelle, qu'il puisse vous multiplier, qu'il puisse vous bénir, et qu'il puisse aussi bénir ceux qui vous bénissent, qu'il puisse aussi maudire ceux qui vous maudissent. Je te l'adore, dis amen. Donc, nous allons prier pour cela. Père Dieu de gloire, éternel grand Dieu, le seul et le véritable Dieu, Père, tu as dit dans ta parole, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, vous me demandez quelque chose quelconque, je suis au milieu d'eux. Mais si ça accorde, vous me demandez quelque chose quelconque, cela leur sera accordé. Père, c'est toi qui as célébré pour la première fois le mariage en ce monde. Tu n'avais pas béni Adam. Tu n'as pas béni Ève. Tu les avais bénis. Et en ton nom puissant, Seigneur, devant ta haute majesté, devant ton Esprit Saint, que tu aimes tant, Seigneur, que tu as fait résider en nous. Oh Seigneur, nous reconnaissons sa présence. Et nous nous prosternons devant le Saint-Esprit, notre Dieu, notre Père. Parce que nous avons tellement confiance que ta parole est vie et esprit. Et tu dis la chose arrive. J'ordonne qu'elle existe. Père de gloire, tu sais pourquoi tu bénis le mariage. Parce que le diable n'est pas d'accord avec le mariage. Et les sorciers non plus n'aiment pas le mariage. Seigneur Dieu, Adam n'était pas tenté. Mais c'est elle qui était tentée. Parce que dans ton plan parfait, Seigneur, elle était la génératrice de la prospérité, de la fécondité, de la multiplication. Père, nous te prions. En guise de prévention. Parce que nous n'ignorons pas les desseins de notre ennemi Satan. Nous consacrons Dieu de gloire devant toi, Seigneur. Devant les parents biologiques. Devant les autorités de notre nation. Et devant ta haute majesté. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons guerre Satan le diable et tous les malfaiteurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant qui s'élève après le mariage pour semer les désordres, semer le trouble, semer la panique. À partir d'aujourd'hui, Père, montre que c'est toi qui es Dieu et qui insiste sur le mariage. Au nom de Jésus-Christ, nous enrayons de ce couple la maladie, la malédiction, les malheurs, la stérilité, le célibat, dans le nom de Jésus, le divorce, au nom de Jésus. Père, nous les scellons dans le nom de Jésus, dans
alliance, dans la même lien de mariage. Toute leur vie, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, qui soit couvert sous l'autorité de ta main puissante, l'autorité de ton nom, de ton esprit, de ton sang, de ta parole, Seigneur, qui sont couverts sous la vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que tu sois l'ennemi de leurs ennemis, parce que tu connais la stupide conspiration de l'ennemi Satan le diable. À partir d'aujourd'hui, Père, nous annulons, nous déclarons sans effet toutes les âmes qui sont élevées contre vous, les âmes qui sont fausses contre vous, sont sans effet. Les bonnes malédictions passées contre vous sont sans effet. À partir d'aujourd'hui, vous fondez un nouveau foyer, un nouveau départ. Dans le nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de Dieu puisse couler dans votre sein, puisse couler. Soyez bénis. Nous vous bénissons. Nous vous consacrons devant le Dieu des cieux. Nous vous consacrons au nom de Jésus. Vous êtes consacrés. Que Dieu, en partant aujourd'hui, soit l'ennemi de vos ennemis, l'adversaire de vos adversaires. Dans le nom de Jésus, de son camp de vie, je pense que dans le nom puissant de Jésus, que Dieu bénisse ceux qui vous bénissent, mais qu'il maudisse, qu'il détruise ceux qui vous détruisent. De la même manière, que Dieu a maudit le diable, qu'il maudisse ceux qui vont filer avec ruse. Vous cherchez à détruire votre attention par le Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Merci Père éternel. Vos fruits de nos entrailles sont bénis. Soyez féconds. Soyez prospères. Multipliez-vous. Assujettissez la terre. Remplissez-la. Dans le nom de Jésus, nous prononçons la bénédiction de Dieu sur le travail de vos mains. Dans le nom de Jésus-Christ, et nous éloignons de ce couple. Laissez le divorce. Laissez le divorce. Laissez la fidélité. Dans le nom de Jésus, laissez la dureté, la fornication. Nous vous chassons de ce couple. Dans le nom de Jésus, bataille, allons-vous-en. Libérez ce couple. Nous dédions ce couple à Dieu. À partir d'aujourd'hui, de te dédier à Dieu, de tout comme de lui. Dans le nom de Jésus, t'es béni par Dieu, t'es béni par Dieu, au nom de Jésus-Christ. À partir de ce déclare que ce couple soit le siège de Dieu Tout-Puissant, qui siège dans votre vie, qui vous visite, qui bénit le fruit de vos entrailles, et maintenant et à jamais, d'être déclaré béni toute la vie et pour toujours. Personne, aucun esprit, aucune puissance ne prend pas cette bénédiction de la volée. Dans le nom de Jésus, elle est scellée dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, dans le corps de Christ, dans la parole de Christ. Et maintenant et à jamais, au nom de Jésus, je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen.